Salut, ici Steven Digital et dans cette vidéo, je veux te montrer comment traduire des messages directement sur WhatsApp. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette méthode. Pour le faire, tu vas simplement entrer dans la discussion et tu vas décider du message que tu veux écrire, tu vas décider du message que tu veux envoyer. Et maintenant, tu vas cliquer sur la barre du message. Et ici, tu peux maintenant saisir ton message, mais tu vas pas directement le faire, tu vas cliquer sur les trois petits points en dessous de l'icône enregistrement. Tu vas cliquer dessus et ici tu vas voir et tu vas pouvoir remarquer il y a Bitmoji, Spotify, il y a beaucoup de paramètres qui sont présents. Mais ce qui nous intéresse, c'est traduire un message. Donc tu vas cliquer tout simplement sur traduire. Et maintenant ici, tu vas choisir la langue. De quelle langue à quelle langue veux-tu traduire le message en fait? Pour le moment, on va juste prendre un exemple. La langue, c'est d'anglais en français. Et maintenant, ici, je vais maintenant saisir mon message en anglais et je vais pouvoir cliquer sur OK pour le traduire en français. Donc, disons, je vais écrire Hello, how are you? Point d'interrogation. Et puis, je vais cliquer tout en bas ici à droite pour traduire le message. Et automatiquement, le message a été traduit en français. Et puis, je clique sur « Envoyer ». J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un gros pouce bleu, ça nous aide énormément. N'hésite pas non plus de t'abonner pour plus de tutos comme celui-ci. Et à très bientôt.